Alors le sujet du jour c'est quel type de marché qu'il faut aborder étant débutant. D'abord nous allons essayer d'identifier les types de marché. à savoir nous avons le marché du forex, le marché des indices hein, et des indices boursiers. Nous avons le marché des indices euh, synthétiques, et nous avons le marché des indices, euh, pardon des, des actions et les crypto monnaies. Ok. Mais, la majeure partie nous Parlons beaucoup du marché du forest. Oui, parce que le marché du forêt est le marché le plus capitalisé au fait. Donc, on se bat beaucoup sur le forêt Et d'ailleurs même, étant débutant, je pense que c'est de là même que tout eh, nous prenons toutes nos forces avant de se lancer sur d'autres marchés. Voilà. Alors, étant débutant, ce que je peux vous conseiller, c'est de commencer sur le forest. Ok, commencer sur le forêt pour Essayer de, parce qu'au niveau du forêt, il faut savoir que le marché s'ouvre euh, sur euh, 5 jours, sur 7. Donc déjà, tu auras le week-end pour te préparer pour hein, des, un, un routine que tu vas suivre en fait. C'est-à-dire le week-end, tu vas décider d'analyser. Et comme étant donné qu'il y a des heures pour ici, donc en fonction des de de, de différentes sessions que tu veux tourner, voilà, que tu veux tourner, alors tu vas décider de voir comment tu peux y prendre un, hein, euh, en aménageant ton emploi du temps en fait donc tu veux, tu veux, ça fera que tu ne seras pas tout le temps tout le temps tout le temps en train de euh, prendre des positions de, comme les indices synthétiques comme les indices étaient ouverts 24 heures sur 24 souvent les gens ont tendance à penser qu'il faut toujours être pour, euh, en train de tourner il faut toujours être là en train de prendre des positions ok mais cela ne veut pas que cela ne veut pas dire que quelqu'un tu commence sur les indices synthétiques a euh, fait un, un, un faux pas non je le dis parce que, un indice dire par exemple, si tu n'es pas organisé, tu n'es pas discipliné, avec, les homos, avec la volatilité de ce marché, voilà, tu risques de prendre peut-être des cours au niveau psychologie. Okay? Voilà, ça c'est un des points à ce niveau. Parce que les indices esthétiques sont vraiment volatiles, même les indices, même souvent le Nasdaq est très volatile. Et avec le Nasdaq, ça ne bandine pas, ça ne joue pas. Parce que euh, même avec le petit lot le Nasdaq vraiment tu te fais énormément d'argent parce qu'elle est tellement volatile donc il faut pas comprendre aussi la liquidité elle est volatile puis elle est liquide aussi il ne faut pas comprendre la liquidité avec la volatilité oui ça c'est un point qui conviendra dans une prochaine vidéo alors ce qu'il faut retenir dans cette vidéo c'est que si tu es débutant et que au cours de ta formation ton formateur c'est beaucoup appuyé parce qu'il faut comprendre que chacun a sa spécialité oui il faut le dire c'est vrai qu'on est généraliste mais chacun où il frappe le plus fort, il a développé peut-être une certaine passion pour ce marché en fait, ça va dépendre, voilà, donc moi par exemple dans mes formations je donne les deux parties, voilà, mais moi personnellement je traite beaucoup beaucoup les indices synthétiques en fait, voilà, et même c'est pas tout, même les trucs les trucs les trucs que les, les indices, euh, le, le v et le V51S, okay elle me posait la question, pourquoi j'ai choisi ce, ce truc-là? En fait, en fonction, en fonction de, de, de ta disponibilité et de ton emploi du temps, moi par exemple si je veux décider de tourner par exemple le forêt, je serais obligé peut-être de tourner par exemple la, la, la section de, de New York, voilà, peut-être à 13h et autres. Je n'aurais pas peut-être le temps d'être là à cette heure-là pour chercher à voir si je peux prendre des positions à ce niveau. Et encore, un des trucs qui me traque, encore, c'est les nouvelles économies. Il faut toujours être informé, avoir les informations sur l'économie mondiale. Qu'est-ce qui se passe dans tel pays Vraiment, c'est des choses pour être la tête, donc pour éviter tout ça, d'aller sur mes études Non, cela ne veut pas dire que mes ne marchent pas sur le forêt. Non, bien sûr, c'est là-bas même que tout. Donc, ça marche proprement dit à cause des de, 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 de trucs à côté, l'analyse fondamentale qu'il faut dans le cadre des indices, de, dans le cadre du forêt Donc ce qui fait que bon, j'ai opté directement les indices, il n'y a pas fait d'analyse fondamentale, tout est technique, voilà. Donc tout est purement graphique, tu finis avec, c'est fini, il n'y a plus d'autres choses à te soucier à ce niveau. Donc, voilà pourquoi j'ai opté. Bon, mais dans de mes formations, je montre les deux, voilà, je montre les deux et même les indices aussi également. Ok, voilà. Donc, euh, je pense que avec cette vidéo là, vous allez pouvoir moins discerner, euh, un peu, et voir dans quel euh, sur quel marché vous vous lancer proprement. Si tu as fait une formation et que tu as peut-être peut-être les indices synthétiques, à la fin de ta formation, hein, tu, je pense bien que quand on parle une formation générale, ça donne tous les aspects, tous les tout, les bases, les pour que tu puisses vraiment te lancer toi-même et voir. Dans quelle que ton, ton, ton mentor peut t'aider, pour t'accompagner, pour que tu puisses vraiment eh, appréhender ce marché Parce que, information, je pense qu'il a déjà au moins de l'expérience, donc il a déjà vécu un peu tous les marchés. Il sait un peu, comme je venais de le dire, j'ai opté les indices et les indices parce que voilà, 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 voilà. Donc il faudrait que moi, quand je donne des explications à ce niveau comme ça, c'est vraiment intéressant. Il sait que c'est pas parce qu'il ne voit rien sur, les, sur le forest qu'il s'est mis là-bas, non. Voilà. Il le fait parce qu'il ne veut, il veut pas trop se prendre du temps, moi par exemple, tout regarder les, les, les annonces économiques. Puisque je ne suis pas un calpeur, je suis un calpeur, je pourrais prendre des positions sur le forest facilement et sans besoin de regarder les annonces économiques. Mais étant pas calpeur, étant un intraday, voilà, il faut vraiment c est, c est, avoir les nuits économiques. Et l'application investis même, là que je vais regarder, mais je sais quelle annonce du, souvent, je vais regarder pour voir un peu, mais il sait que cette annonce, quand elle sort, elle va influencer le marché, elle va faire ça, elle va faire ça. Mais pour éviter tout, mes trucs, voilà pourquoi j'ai opté les indices synthétiques. Il n'y a pas de truc là-bas à ce niveau. Voilà, Maintenant si tu es intéressé et que tu veux créer ton compte sur les indices synthétiques, j'ai mis un lien dans la description en dessous, en dessous de cette vidéo que tu pourras ouvrir ton compte gratuitement sur DEU. Je précise que c'est DEU, c'est l'app à, à dispenser ces indices synthétiques. Voilà, il n'y a pas d'autres plateformes pour l'instant. Alors, au moment peut-être que je suis sur cette vidéo, peut-être qu'il y aura d'autres plateformes, mais pour l'instant, c'est dérive ou bien Binary. Bon, c'est Binary qui est devenu dérive C'est la même chose, il faut comprendre cela. C'est la même chose. Voilà, c'est le nom seulement qui a changé. Voilà, donc, merci d'avoir suivi cette vidéo et s'il y avait des questions, des pas questions je vous invite à laisser un commentaire et je vais prendre la peine de répondre. Merci et à la prochaine